c'est le diminutif de avancé. C'est le diminutif de avancé. Alors que avancé, c'est la mère divinisée de Guédé. Et Guédé, c'est notre ancêtre éponyme. C'est le premier qui est venu dans l'espace et c'est de lui maintenant les autres descendants viennent. Guédé, chez nous, c'est l'esprit des morts. J'ai appris ça. Les Guédés, alors nous, chez nous, on, les Guédés ont un rôle très important dans les rituels du vaudou en Haïti. Et quand j'entends les Guédés, ça m'interpelle évidemment. Justement. Pour savoir le lien, parce que c'est toujours ça, c'est-à-dire de trouver justement ce lien. De ce voyage et qui a amené nos ancêtres là-bas. Quand je chantais une chanson, elle me dit qu'il y a deux, trois mots qu'elle a compris un peu. Mais avec l'accent, avec mon accent et la prononciation que nous-mêmes on utilise, qui est un petit peu perdu dans le temps. Oui. Par exemple, il y a une chanson qu'on chantait qui dit « Chego évidemment, Chego évidemment. » Dans ma la vie, vie, un ingueto. Et c'est agaoussé, agaoussa. On dit, c'est ego et vida naïe. Quand les esclaves sont arrivés avec toutes ces richesses-là, le mélange fait qu'au fait, nous, ce qu'on garde, c'est la mémoire, mais avec des mots. De la prononciation n'est pas exacte. Voilà. Guédé, c'est notre de tout ce qu'on appelle les Guédévi. Guédévi, c'est-à-dire enfant de Guédé. Enfant de Guédé. Voyez un peu. C'est pour vie, ça veut dire enfant, fils. Voyez, descendant de Guédé. Mm. Guédé, en Yoruba, la tonation donne là-bas, Iguédé. Iguédé, c'est un peu celui qui n'a pas. Qui est torosu en fait, pas né, mais grand, géant, mais qui n'a pas de pied. Vous voyez, déjà de son vivant, ces gens de personnes sont divinisés. Un peu comme les gens de petite taille qu'on appelle vulgairement nains. Oui, nains. Vous voyez un peu. Même des gens, vous voyez, c'est ça, quand on rentre dans les mentalités ou quand on rentre dans les perceptions, même les gens qui n'ont pas la même votre peau, par exemple, vous maintenant, vous êtes déjà divinisés. Parce que vous êtes Lissa. Vous êtes déjà divinisé. Oui. Ouais, donc, j'ai fait l'initiation. Ah, ben voilà. Donc, il a quitté là-bas avec sa maman. Mais, et sa maman lui disait, si tu fais un pas, je fais un pas. Parce qu'il faut, le transporter. Vous voyez, parce que c'est un torosu, il n'a pas de jambes. Vous voyez, chaque fois, il faut le transporter. Et déjà, même dans les mlamlans, ça se dit. Déjà, guédé nous pimpin à l'ordre commencer. C'est-à-dire, guédé, si vaste, si dense. Qu'une seule main ne peut pas tenir. C'est-à-dire que vous ne pouvez jamais le soulever.
dans les blancs, dans les pas, les litanies, quoi, comme on le fait à la Vierge Marie. Voyez, bon, donc sa maman, c'est nous qui sommes les prêtres, puisqu'elle aussi faut la diviniser. Voyez un peu, c'est nous qui sommes les prêtres de sa maman, c'est pas on ajoute nous. Non, ça vous comprenez, comme de l'autre côté aussi, il y en a qui sont les prêtres de Guédé. Ce qu'on appelle Guédé non. Donc les prêtres de Guédé. Bero talk be way mo, ati mama boya eh. Bero talk be way mo, I season we weedo, I win a we weedo. Zang bagwa me vodun kedi we mo chole do sumano dida. Mi kodo fi kintika, mi kodo fi bawe kongo takoda I kintika. Chole do sumano dida, mi kodo fi kintika. Mi kodo fi bawe kongo takodo fi kintika. Chole do ici, c'est la mère de Guédé qui est divinisée. Et nous avons été victimes de la traite des esclaves. Le chef canton qui était ici, Gbagba, c'est lui que le roi d'Abomé avait envoyé pour nous surveiller, pour mieux nous dominer. Mais on n'est pas si maîtrisable. Un peu comme on est des rebelles. Voyez un peu, on est des rebelles. Et donc, ils étaient obligés de s'organiser, de déployer leur arsenal pour casser complètement la maison et prendre 33 des nôtres et envoyer de l'autre côté. En Haïti ou États-Unis, en tout cas. Dans l'esclavage, voyez un peu. Donc, ça a été un coup dur pour ceux, les enfants qui étaient là, pour les femmes qui étaient là. L'envoi du roi était toujours là. Donc, la méfiance s'est installée entre les descendances du chef envoyé par le roi et les descendances de ceux qui sont partis de l'autre côté. Voyez, mais il faut trouver un échappatoire. Il faut quand même se déplacer, il faut aller quand même vers les autres. C'est ainsi que les nôtres ont imaginé qu'avec ce rythme-là, on pouvait trouver cette passerelle-là pour sortir. Parce que le rite funéraire, utilisé comme un lors des rites funéraires, est devenu un rythme de libération pour le clan français. En quelque sorte, est devenu festif. Mais il reste sacré. Parce que quand il y a décès ici, on le joue. Et ceci, on l'appelle Go. Go. On l'appelle Go. C'est une grosse calebasse. Il faut l'avoir plantée d'abord avant de le recueillir et le tailler. Ouais. Et tu vois, ça, c'est creux. C'est creux. Donc, c'est le vide, l'air compressé qu'on utilise. C'est creux pour que ça donne le son. Ceci. Tu vois, c'est de la calebasse. Vous voyez, c'est de la calebasse retournée dans l'eau. Dans les rituels mortuaires chez nous, oui. Et ce qui se passe, on utilise les mêmes instruments pour justement et envoyer l'âme du défunt. On dit que ça repart en Afrique. Qui tape ça? Avec le petit moi, il tape, je peux. Remène le truc là. Ils font. Encore nous malheureux, au tijalo, encore nous malheureux. Encore nous malheureux, au tijalo, encore nous malheureux. Charles mourit la lune. Il chale, mouille la lèvre, pantalon bleu,
fouillé tout, en talon casivien, pour venir aller. C'est comme ça qu'on fait dans la tradition vaudou, quand on tape et il y a c'est le petit bois. Alors, chez nous, les initiés, les garçons et les femmes, peuvent taper ça et ça. Oh,